Mes spaghettis sont gelés, ils sont collés, je suis avec un putain de papy, putain de micro qui marche pas. Et Yomina, c'est Maître Adrien, on se retrouve pour la suite d'Undertale, pour l'épisode 4. Ah, vous en souvenez, dans l'épisode précédent, je m'étais fait buter par des yinches, hein, clairement. Donc voilà, il y a un interrupteur caché. L'interrupteur est resté enfoncé. Ah ok, d'accord, j'ai cliqué, je n'avais pas vu. Voilà, donc il y a un petit mini chien. Non, non, je vais pas le taper. Non, je vais pas le taper, le chien. Non, 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 on fuit, on fuit. Non, non, je tue pas, je tape pas et je tue pas. Celui-là, il y aurait peut-être des chances que je shoot. Moi, je pense pas que je l'aurais one-shot, hein, clairement, comme je suis pas au niveau et que je n'ai pas tué de gens, que je me suis pas monté, j'ai pas fait de conneries. Donc, ça vous souvenez ? Excusez-moi. Un mal de. Un truc dans la gorge. Ouais, une boule de poil. Ou un chien. Non merde, non, c'est vrai qu'en parlant de chien. Alors je m'étais fait tuer par ces yinches là, la con. Donc voilà. Et on va essayer de les vaincre cette fois-ci. Enfin... Putain, mais ils arrivent pas à me voir, hein, c'est bizarre. Hein. Alors qu'on dirait qu'à la base, ils ont un visage. Il est pas masqué leur visage. Comment ça se fait qu'ils me voient pas? Bon, ils se font des bisous, ce qui est très mignon. Canis ou cannibale? Allez, on va faire sur cannibale. De toute façon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rouler. Vous vous roulez dans la neige et la boue. Vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Prends les puces de ma puce. En fait, non. Oh putain, c'est abusé. T'es mal mis. Peut-être que le chien devrait vous sentir à nouveau. Cannibale. Ressentir. Les chiens vous reniflent à nouveau. Après avoir roulé dans la neige et la boue, votre odeur leur convient. Les chiens pensent que vous devez être un chiot. Caressez. Vous caressez cannibale. Et moi alors? Waouh, un chien caresseur de chiens. Voilà. Les chiens évaluent de nouveau votre odeur. Eh ben on va caresser Canis. Hein. Vous caressez Canis. Waouh, caressé par un chiot. Eh, me laissez pas toute seule. Les chiens se coucheront moins bêtes ce soir. Voilà, Clémence épargnée. Victoire. C'était tout con, mais hier on a perdu quoi, ça craint, c'est ce que je vous ai dit. Un chien caresseur de chien. Un nouveau monde s'offre à nous. Merci, chiot. Étrange. Voilà, donc clairement, c'était easy. Je vois pas pourquoi on a perdu, quoi. Transformez tous les X en haut, puis appuyez de nouveau. Appuyez sur le bouton. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur le X ou ça se fait tout seul? Ok. Ah, Papyrus, c'était de la merde ton truc, hein. Quoi? Comment tu évitais mon piège? Et le plus important, il en reste pour moi. Qu'allez-vous dire à Papyrus pour ses spaghettis? J'y ai pas touché. Vraiment? Waouh! Tu peux essayer outre le saveur de mes pâtes maison, juste pour pouvoir le partager avec moi? N'aie crainte, humain. Moi, chef cuistot Papyrus, je te cuisinerai autant de pâtes que tu voudras. Ok. Ouh, là, il y en a plus. Humain, comment dire? Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne en modelant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et, comme d'habitude, pas de sense à l'horizon. Ce que ça veut dire par là, c'est... pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand Papyrus, je vais... régler ce problème. Pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Non, je veux pas la réponse. Ok. Ah. Là,
là. Là. Waouh! Tu as réussi! Et tout ça, sans mon aide! Incroyable, tu m'impressionnes! Tu dois aimer les casse-crânes autant que moi. Soit, je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même d'en faire qu'une bouchée. Là. Tu te débrouilles vachement bien avec les casse-crânes, non? Ben, impossible que tu aies déjà vu celui-là avant. Ah non, celui-là, je l'ai pas vu avant. Ah, vas-y. Hé hey, voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant Dr. Raphis. Tu vois, ces cases, une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables. Impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées. Et t'électrocuteront. Les cases vertes font sonner une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées à l'orange. Elles te feront sentir bon. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu en as envie, mais... Si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Aussi, si une case bleue se situe près d'une case jaune, l'eau va te électrocuter. Les cases violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la case suivante. Cependant, le savon glissant est parfumé au citron. Ce qui déplaît aux piranhas. Donc bleu, violet, pas de problème. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu veux. Alors, tu as tout compris? Avez-vous compris les explications? Ouais. Grandiose, il ne reste plus qu'une chose à mentionner. Ce casse-crâne est complètement aléatoire. Une fois cet interrupteur pressé, on verra apparaître une case crâne. Un casse-crâne qui n'aura jamais été vu auparavant. Même moi, je n'en connais même pas la solution. Prépare-toi! Oh, mes yeux, ça fait mal! Oh, putain! Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'explication du casse-crâne, mais en fait, il a rien pu faire. Je dois dire, les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Et depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Et je parie qu'à ce rythme, d'ici l'année prochaine, ce sera même comestible. Ah ouais, donc en gros, pour l'instant, c'est dégueulasse, quoi. Ça veut tout dire. Le chien le fixe d'un regard vide et attend que ça devienne de l'art. Ok. Ce chien se voit comme un artiste, mais il n'a jamais d'inspiration. Son cerveau est gros comme une croquette, n'aide sûrement pas. Ah bah oui. Oh godness. Alors attendez, j'ai peut-être compris. Là. 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 Si on passe là, pas ça, on passe là, là, on passe là, on passe là, et on fait ça. Bah voilà! Mais c'était super easy! Et on pouvait vraiment tomber ou pas? Je sais pas. Bon, allez, on avance. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a une niche. Là, il y a un passage. On va voir si on descend, s'il y a quelque chose. Ouais, y a sense. Donc, à mon avis, le faux passage est ici. Quelques petites niches. Waf. Ok. Oh putain. Oh, il est trop mignon! Oh, kawaii desu! Oh putain. Non! C'est quoi cette musique? C'est quoi cette musique?
Est-ce qu'on peut être sérieux dans ce combat avec cette musique et cette tête? Non, on peut pas. L'attirer, l'ignorer. Voir si on l'attire, qu'est-ce que ça fait? Vous appelez le maxi chien. Il s'élance vers vous, vous recouvrant de bave au passage. Waouh, 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 hey! Non mais dégage! Maxi chien, ok. Si on fait ignorer. Ok, si on l'ignore, il se rapproche. Merde, je suis con, il fallait pas bouger, ta mère. Il veut juste de l'affection, ok. Se roule en boule sur vos genoux alors que vous le caressez. C'est si confortable qu'il s'endort. Soudain, il se réveille. Il est tout foufou. Et creuse de fou... Eh ben... On va jouer, vous lancez une boule de neige pour que le chien aille la chercher. Elle s'écrase sur le sol. Maxi chien ramasse toute la neige dans le coin et vous la ramène. Ça l'a épuisé. Il repose sa tête contre vous. C'est quoi ce combat? Il veut plein de câlins. Alors que vous caressez le chien, il s'affale de tout son poids sur vous. Votre vitesse diminue. Mais il lui faut toujours plus de caresses. Oh purée, je suis mégalon! Ah putain! Le taux de caresse est de 40%. Je te caresse encore! Caresse décisive effectuée. Taux de caresse à 100%. Le chien s'affale par terre à quatre pattes fer en l'air. Ah, Maxi chien semble satisfait. Épargné. Oui! Ah, mais il était dans l'armure en fait. C'était un petit chien comme ça dans l'armure pour déconner. Oh, mais c'est trop mignon quand vous voyez Disney. Ouais, non mais là t'es pas crédible mec. T'es clairement pas crédible avec le cul à l'air hein. Je te le dis clairement hein. Je suis pas méchant mais t'es pas crédible. Attendez, ce qu'on va faire là c'est qu'on va revenir en arrière, se régénérer parce que côté PV bah on est niqué. Et ça ferait un peu chier. Ouais, logiquement on s'est récupéré côté PV. Donc voilà, bon, là on peut avancer, clairement on s'en fout, l'énigme a été terminée, donc on va continuer vers le chemin du maxi chien. Est-ce que c'est là qu'il faut aller, vous pensez? Mais il y a Sense en bas, donc ça veut dire que le passage était bon. En bas, non? Ouais, on va aller voir Sense en bas. On va aller voir ce qu'il veut déjà. Sense, t'es où? Oh putain, il y a quelque chose qui nous regarde là. Oh putain, moi je m'en vais. Ofren vous fait face. Oh. Action. Décorer, cadeau, enlever de la déco. Je pense que clairement, comme on sait, on est dans un système de combat. What the fuck, il faut peut-être lui enlever la déco sur elle. Vous enlevez une photo de jeunesse de Colivert et ses parents. C'est un peu mieux. Action. Vous enlevez les guirlandes constituées de brosses à ramoner. C'est un peu mieux. C'est un tout petit peu calmé. Vous enlevez un petit chien qui avait l'air perdu. Un poids s'envole. Les problèmes d'Ofren sont envolés. Voilà. On est dans le manfuck. On sait que... Ok. Donc c'est le vrai chemin ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'en aller. Et tenter de passer par le pont qui est là-haut. Parce que je pense que là c'était vraiment le vrai chemin où il y avait Sense. Et je voudrais donc vraiment vérifier avant tout ce qu'il y a là-bas. Oh putain, qu'est-ce que c'est ? Humain ! Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire ! La symphonie de la mortelle terreur. Oh putain! À mon signal, elle entrera en action. Canon, pique et épée entameront une danse mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois le topo?
car figure-toi que je suis sur le point de l'activer. Oh, le pauvre chien là-bas! Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Moi? Attendre? Attendre quoi? Je t'ai dit que je suis sur le point de l'activer! Ça n'a pas l'air très activé. Eh bien, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, on ne peut pas l'utiliser ça. Je suis un squelette avec des principes. Mes casse-crânes sont justes. Et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style? Allez, du balai. Le chien, non mais... Ouf. Pourquoi ce regard? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Nye! 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 Ok. Je ne sais pas ce que va faire mon frère ensuite. Hein. Si j'étais toi, je m'assurerais d'être sur le point, au point sur les attaques bleues. Pourquoi? Bienvenue, Couvre-Neige. Il y a une boutique, il y a un hôtel. Salut toi, tu désires quelque chose? Oh, une jolie petite lapine, toute mignonne. J'ai 162 PO. Un gant de maraud. Armure. Un biscuit soigne 11 PV x 2. Soigne 22 PV. Et là on en a pour 15 PO. Ouais, c'est mieux le lapin à la cannelle, hein. Voilà, on a 2-3 lapins à la cannelle. On va essayer de lui parler pour voir. Dire bonjour, que faire ici? Non, ok, d'accord. Retour. A plus, reviens quand tu veux. Voilà, donc l'hôtel par contre, est-ce que c'est payant? Il y a quoi? Bienvenue à Couvgit, le meilleur hôtel de Couvre-Neige. Une nuit coûte 80 PO. Ok. Ouais, mais j'ai tous mes PV et puis je me régène à l'air du point de sauvegarde, donc clairement... Voilà, j'ai envie de te dire, mais ça se trouve la grotte, il y avait quelque chose à aller. Ah, j'hésite clairement là, je suis très hésitant. Là, franchement, j'hésite énormément. Ouais, on y va. Moi, je dis, on peut tenter. Qui ne tente rien à rien de ce qui va se passer. J'ai sauvegardé, je suis en sécurité en cas où s'il y a une couille. Donc, ça. Ça peut clairement passer, ça peut clairement passer. Mais le style de enlever les décorations, comme je vous dis, comme si on est dans le manfuck, what the fuck, le combat, les fights what the fuck, je me suis dit, si là... Putain, de nouveau les yeux, ne me cassez-vous. Des champignons hallucinogènes. C'est une porte. Ok, donc qui est verrouillée. À moins que j'ai mal activé les champignons, on y retournera plus la prochaine fois, je referai un essai. Mais bon, voilà, donc on est de donc on va retourner vers le point de sauvegarde qu'il y avait. En tout cas, c'était franchement les chiens quand j'ai perdu dans l'épisode précédent. Je vous l'ai dit que j'ai perdu d'une façon con parce que je sais que j'y étais. Et c'était clairement ça. Et je suis dégoûté. Clairement, je suis dégoûté parce que on avait de quoi faire. On avait de quoi faire. Et là... Ah, c'était easy quoi. Bon, le chien, j'ai failli crever de peu. J'aurais dû peut-être me régénérer avant. Mais bon, c'est pas grave, maintenant j'ai de quoi me régénérer vraiment en chaos si je ne peux pas sauvegarder entre temps. Ça peut toujours servir. Bah en tout cas nous les amis, on va se laisser pour ce petit épisode énormément sympathique. J'espère que vous, il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Ciao ciao Mina.